à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. C'est le capitaine Anderson qui devrait être aux commandes. J'ai l'impression de lui voler le vaisseau. Le capitaine s'est fait entuber, mais vous ne pouviez pas y faire grand-chose, on le sait tous. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la Travée. Saren ne va pas en rester là. Ses armées guettes ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Nous traquerons Saren partout où il ira. Quel que soit l'endroit où se trouve le canal, nous l'y attendrons. Où qu'il se cache, nous le débusquerons. Il en va du salut non seulement de l'humanité, mais de tout l'espace concilien. Nous devons à tout prix arrêter... Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Ok. On fait quoi maintenant? On va à la carte de la galaxie. Oui. C'est mon vaisseau. Je fais ce que je veux. C'est lui, connard. Hop, 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 hop. Je peux pas te parler? Pourquoi? Allô? Tu veux pas me parler? Bon, il veut pas me parler. Bah, tant pis. Alors, clic droit pour dézoomer, cliquez pour zoomer, sélectionnez une destination et scanner ou atterrir sur une planète. D'accord. La citadelle. De fouille de Liara. Ouais. Salamis, au bon lait de brebis. L'urine musicale présente une faible concentration de sodium, d'où sa teinte gris foncé. Hormis ce fait, c'est une urine gazeuse. Non. Sur la lanterne Pharos ont été récoltés par sonde automatique, son atmosphère très ténue et constituée d'azote et d'argon. Son environnement est principalement composé d'étain et de gisements de carbone. Bon, nous avons des réserves d'eau, on pourrait se trouver sur le. En scannant la planète Pharos, vous avez découvert une base abandonnée sur sa lune. Bien que votre équipe de reconnaissance n'ait rien trouvé de valeur, la plupart des débris portaient l'emblème de la colonie Magna. Ok. Je
Mis à part les caractéristiques notables de sa géologie, on ne sait que peu de choses sur Salamis. On n'a rien à faire sur cette planète, donc on s'en fout. Chiante gazeuse de taille modeste, Circe est constituée d'eau d'hydrogène et d'hélium en présence... Et présente des traces de soufre et de chlore. Putain, arrête de bégayer, Poppy. Ses caractéristiques lui donnent une apparence jaune-vert assez étonnante. On a, à en juger par l'avancée de la colonisation de Protée, on peut penser que Circe sera exploitée pour ses ressources en hélium. Ok. Super! Waouh! J'avais déjà vu ça, du coup. D'accord. Ok. Donc on peut rien faire en fait dans cette galaxie, c'est sympa. Excusez-moi, j'essaie d'aller un peu vite quand même. Hein. C'est bon, on a assez papoté. Des scans de cette géante gazeuse ont dessiné une forte concentration d'azote. Okay, chouette. Raconte ta vie. On peut aller sur aucune planète là? Ou c'est moi qui fais mal un truc? Ah! Terra est un monde industriel de l'Alliance, riche mais éloigné, regorgeant de métaux lourds qui ont alimenté le récent boom industriel sur Terre. La présence de fossiles d'organismes à base de silicium indique que cette planète fut un jour bien plus hospitalière qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce qui explique sans doute le grand nombre de ruines protéennes parsemées à la surface, pillées pour la plupart par les compagnies minières. On va aller faire un tour. Allez. Oh, commandant, je capte des signaux bizarres. Vraiment bizarres. Ça ressemble à rien de connu. Je crois que ça vient d'un complexe souterrain, à quelques clics de la zone d'atterrissage. Et ça là, c'est quoi? Ça s'ouvre pas, d'accord. Ouais, l'atterrissage était bien foutu, j'ai trouvé ça sympa. Ok, texture. Bien que je transpirais déjà sur Palaven. Écoute-moi bien, Thor. Oui, parce que Garen a la voix de Thor. Garus, pardon. Garen. Ce mélange. Wow. Putain, c'est horrible. Vous trouviez les camions chiants à utiliser dans Astrodire? Bah là, je vous raconte pas. Hein.
I'm a poor lonesome cowboy. Comment, comment Rex y rentre là-dedans? Faudra qu'on m'explique. What? Ok. Pas comment je fais pour le réparer par contre. Seul un idiot frapperait un attaque en pleine face. Essayons plutôt de lui tirer la queue. Comment ça, tu veux lui tirer la queue? Ok, le Mako essaie de se retourner. Ah putain, mais est-ce que c'est chiant? Là! Oui! Ok, allez, avance. Mais c'est chiant ce truc. Je suis coincé, je ne peux rien faire. Excusez-moi. Ça y est, ça va, mec? Il y en a d'autres? Ah merde, je pensais que je pouvais sauter par-dessus la rambarde, mais à chaque fois j'oublie qu'elle peut pas sauter. Arrête! J'ai pas que ça à faire. De te coller au mur. Tire sur qui? T'as d'autres petits copains dans le coin ou c'est bon? Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Y'a rien, Garus. J'ai que 4 médigels pour la planète. Ça va être un peu tendu.
Elle esquive des roquettes en faisant des saltos. Putain, salaud. Y a rien qui traîne. Ah. J'ai ouvert la porte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici? Ça, c'est un truc à faire exploser. Ah ah! Bien fait de venir. Il n'y a pas un autre petit saligo caché là. Ah si. Je m'en doutais. Alors. Armure médium, pistolet striker, pistolet edge, ok. D'accord. Est-ce que je peux rivaliser avec ça ou pas? Comment vous touchez ça? Comment vous faites du dégât à ça, les gars? Pas ce que je voulais faire.